Bonjour, merci de m'avoir invité à Malgar. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui comme j'ai pu m'en entretenir avec Michel et Marcel, mes amis des Ducavox. L'Observatoire NetExplo est très heureux d'être le partenaire de Ducavox. Et à ce titre, Marcel et Michel m'ont demandé d'enregistrer une petite vidéo pour partager avec vous, l'ensemble de nos réflexions dans l'Observatoire NetExplo par rapport au sujet de l'hybridation des cultures, qui est la thématique de votre séminaire à Malagar. Alors, NetExplo, en deux mots, c'est un observatoire mondial qui a été créé en 2007, qui est un observatoire privé, mais qui est né avec le Sénat, avec le ministère de l'Économie, avec des grandes universités et avec l'UNESCO. Et la particularité, c'est que nous avons fédéré 22 professeurs partout dans le monde, qui sont des profs d'informatique, de digital, de data, d'intelligence artificielle, de digital management, qui réfléchissent et enseignent sur tous ces sujets. Ils sont aussi certains des chercheurs, et dont la particularité, c'est qu'ils vont travailler avec leurs élèves pour, dans le cadre de leurs cours, essayer de pouvoir identifier toutes les innovations mondiales partout dans le monde, dans leur secteur géographique, qui émergent durant l'année. Et depuis 15 ans, nous avons ainsi entre 2000 et 3000 innovations que nous sommes amenés à analyser avec l'équipe de NetExplo à Paris, avec un objectif, c'est de pouvoir établir ce qu'on appelle un palmarès NetExplo 100, c'est-à-dire les 100 innovations de l'année parmi les 2000, 3000 que nous recevons chaque année, pour fédérer ainsi les projets les plus intéressants en matière d'innovation dans le monde. Innovation sur tous les secteurs. C'est là où l'hybridation des mondes s'impose. C'est la tech avec la médecine, c'est la tech appliquée à l'éducation, bien évidemment, c'est la tech appliquée à la communication, appliquée à tous les sujets de notre société, de notre économie, de notre culture, et qui vont probablement dans les années à venir changer notre vie. C'est ainsi que, dès 2007, nous avions primé Twitter en alertant sur cette nouvelle forme de communication qui allait court-circuiter tous les médias et les instances traditionnelles. Waze, par exemple, qui après a été acquis par Google, mais qui à l'époque était né en Israël et qui est une application qui aujourd'hui a beaucoup d'impact sur les trajets que nous employons. Des innovations comme Shazam, que vous connaissez probablement, des innovations aussi comme Airbnb, qui aujourd'hui empoisonne beaucoup des villes et des habitants par son succès planétaire. Et bien évidemment, plein d'innovations qui ne sont pas connues, mais qui ont contribué à faire évoluer notre société. Alors, s'agissant du sujet de l'hybridation des mondes, qui est le sujet de votre séminaire à Malagar ce week-end, Marcel et Michel m'ont demandé d'apporter notre regard avec beaucoup d'humilité et de modestie, puisque, comme vous en doutez, tout ça bouge très vite, tout le temps, et bien évidemment, pour certaines choses, peut avoir un impact important, même si nous savons à NetExplo que, quelque part, on surestime l'impact immédiat des technologies, des innovations technologiques, et généralement, on sous-estime leur impact à long terme. Donc, qu'est-ce qu'on voit cette année qui pourrait, je dirais, traduire au mieux les tendances, mais également l'impact sur l'hybridation de notre monde? Et je viendrai après sur l'éducation, bien évidemment. S'agissant de ces sujets, deux sujets sont absolument fondamentaux dans ce qu'on a pu voir ces 2 dernières années, et c'est une tendance qui est lourde pour les années prochaines. Alors, première, c'est celle de l'intelligence artificielle générative. Donc, j'entends bien intelligence artificielle générative, c'est-à-dire ce que vous avez tous pu lire, voir, entendre, peut-être même utiliser, qui est ChatGPT. Je rappelle que ChatGPT est une application d'intelligence artificielle qui a été créée par une société qui s'appelle OpenAI, open source, c'est-à-dire gratuite pour tout le monde, et qui a décidé de faire rentrer dans son capital Microsoft pour avoir les moyens de ses ambitions et pouvoir offrir une interface très fluide, j'allais dire la plus simple possible, à l'ensemble de la population, dans un premier temps gratuitement et aujourd'hui avec des systèmes de paiement en fonction des utilisations que vous en faites. ChatGPT a un succès phénoménal. C'est la plus grande croissance en matière d'usage de technologie de ces dernières années. Il a fallu moins de
quelques mois, de 2-3 mois, pour qu'on atteigne 200 millions d'utilisateurs dans le monde, ce qui bat tous les records de tous les usages de technologie. Et surtout, cette intelligence artificielle générative provoque beaucoup de discussions et de débats et de réflexions sur le sujet de la manière dont on va apprendre aujourd'hui. Vous doutez bien que tous les élèves qui sollicitent ce type d'interface conversationnelle et qui peuvent obtenir des résultats qui quelquefois sont faux, hein, c'est ce qu'on appelle les hallucinations de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire je reconstitue à partir de données des informations et je peux en tirer des conclusions fausses, mais tout ça semble extrêmement cohérent et assez bien construit, montre à quel point les machines peuvent apporter une dimension pertinente à certaines tâches que nous pourrions avoir. Donc l'intelligence artificielle, c'est vraiment la première application, la première je dirais, évolution technologique qui va probablement avoir un impact important sur notre manière d'apprendre, de collaborer, de travailler bien évidemment, et qui va ouvrir des champs de modification très importants sur le monde du travail. La deuxième tendance que nous voyons dans notre observatoire mondial NetExplo, c'est celle de la fusion, et on peut parler d'hybridation, de la technologie et de tout ce qu'on appelle la sustainability, c'est-à-dire les sujets à impact, le développement durable, avec bien sûr le réchauffement climatique, tout ce qui est biodiversité et de l'économie circulaire. Là, on voit que le sujet est dans la tête de tous les chercheurs dans les meilleurs labos du monde, dans les startups qui ont levé beaucoup d'argent et qui donc ont les moyens de développer leur technologie, et dans les usages qu'on va voir s'appliquer. Cet rapprochement entre la tech et le développement durable est probablement extrêmement puissante, innovante et va apporter une dimension très importante dans l'avenir avec beaucoup d'institutions, de pays, mais également d'entreprises qui vont suivre, je dirais, ce schéma parce qu'il permet de sortir d'une image qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire je valorise mon action en développement durable, mais c'est avant tout de la communication, pour apporter avec les fameuses data des informations qui vont permettre d'objectiver véritablement là où on en est quand on est un État, une institution, un ministère, une administration, une entreprise, une association, et apporter la preuve que les actions que nous avons lancées ont un impact. Donc, tech et sustainability, ou impact développement durable, c'est vraiment un élément majeur dans les années à venir avec l'intelligence artificielle. Alors, une fois qu'on a posé ces deux tendances, la question qui se pose, c'est de dire quel est l'impact sur l'éducation, mais quel va être l'impact à terme même sur les métiers. Et là, on voit bien que c'est assez vertigineux. Je m'explique sur l'intelligence artificielle. J'ai eu une démonstration top dirigeant de Microsoft dernièrement, qui me montrait comment, à travers une visioconférence que nous avions eue à peu près d'une demi-heure, il était possible d'avoir un compte-rendu immédiat de la réunion qui avait été enregistrée et dont ChatGPT a construit le résumé, le compte-rendu. Autrement dit, le compte-rendu, à peine terminé la réunion, vous est envoyé pour validation. Il vous est possible, bien sûr, de faire des corrections, mais ça veut dire que le compte-rendu est immédiatement envoyé à votre contact et vous n'avez plus besoin de le faire vous-même ou de le faire par un collaborateur. Vous vous doutez bien que la répartition des fonctions, des missions, des tâches dans toute l'économie, dans toute l'économie du savoir, va considérablement changer et redéfinir les rôles. Et je pense que nous sommes à l'aube d'une grande évolution où on va assister à une modification de nos fonctions, de nos missions, qui va se traduire probablement par des rôles différents. J'étais dernièrement avec des DRH des grandes entreprises du CAC 40 français et ils disaient, mais quel va être le rôle de la fonction RH? Eh bien, je pense que le rôle de la fonction RH, ce sera d'accompagner les collaborateurs de façon de plus en plus personnalisée parce que plein de tâches seront facilitées par cette intelligence artificielle. Et dès lors, ils vont pouvoir se concentrer sur l'aspect central, qui sera effectivement de dire nous accompagnons les collaborateurs dans leurs attentes, leurs fonctions, etc. C'est pas nouveau, si vous prenez le système bancaire, qui va encore à sa banque pour faire un virement ou pour payer une facture ou encaisser un chèque?
Tout ça se fait de façon dématérialisée, d'où le développement des applications, des comptes Internet bancaires que nous utilisons tous. Par contre, quand on prend rendez-vous avec notre conseiller bancaire, c'est parce que nous avons un vrai sujet, de vraies questions, un vrai enjeu à régler. Et c'est là où on voit qu'il y a une montée en compétence des collaborateurs, avec bien évidemment des sujets où l'humain devient vraiment essentiel. Eh bien, je pense que dans la fonction ressources humaines sera la même chose. Et je pense qu'on peut dire que demain, en matière d'éducation, cette approche de l'intelligence artificielle va probablement poser des questions fondamentales. La première des questions, c'est de dire, doit-on apprendre toujours les mêmes choses et apprendre bien évidemment des fondamentaux qui sont essentiels, mais dont on aura de moins en moins besoin. Et toute la question, c'est de savoir sur quoi va se passer l'éducation. Est-ce que ce n'est pas sur la capacité d'exercer son esprit critique, de construire une réflexion, de pouvoir véritablement mettre en questionnement les grands enjeux que nous pouvons avoir? C'est déjà la question de ce qui se passe avec ChatGPT, puisque, comme vous le savez, tout démarre par une question. Mais la manière dont on pose la question, la nature même de la question, détermine la connaissance que vous allez avoir grâce à ces machines. Ce qui veut dire que de nouveaux métiers vont se créer. Et parmi ces nouveaux métiers, on parle de professionnels des prompts. Les prompts, ce sont les questions, les informations telles qu'on les formule pour ChatGPT. Eh bien, on peut dire aujourd'hui que ça y est, certaines écoles préparent, de grandes écoles et universités au niveau international, et nous on le constate à NetExplo, préparent des formations pour comment écrire les prompts qui vont nous permettre d'avoir les réponses sur ChatGPT. Donc c'est assez sidérant de voir la rapidité avec laquelle ça va en matière d'appropriation, hein, d'usage de l'intelligence artificielle générative. Mais je pense qu'à partir du moment où vous facilitez la vie des gens et que ils vont pouvoir se concentrer sur des tâches, je dirais, moins répétitives, moins pénibles et surtout prendre plus de temps pour les sujets importants, je pense qu'on sera dans une démarche qui sera intéressante. Donc ce sujet de l'impact de l'intelligence artificielle générative sur l'éducation est absolument fondamental. Et bien évidemment, la question, et c'est la troisième question clé, c'est celle de dire comment va-t-on préparer aux métiers d'avenir puisque nous ne connaissons pas encore ces métiers d'avenir. Ce qui veut dire que les clés en matière d'éducation seront bien sûr de développer la curiosité, l'ouverture d'esprit, la compréhension, l'altérité, la compréhension de l'autre, le respect de l'autre, ce qui n'est pas toujours gagné, comme vous le savez, et derrière, de permettre de développer le fondamental, c'est-à-dire apprendre à apprendre. S'agissant du deuxième sujet de la sustainability, c'est-à-dire du développement durable, hein, de l'enjeu de l'impact, là, je pense qu'on est sur un sujet où la complexité systémique fait qu'on ne pourra pas avancer si on ne comprend pas l'interdépendance de tous ces facteurs qui font qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus ne pas agir personnellement et collectivement. Ça va être un sujet très compliqué parce que à chaque fois qu'on demande aux gens des efforts, ben, encore une dernière étude montrait que tous les gens ils disaient c'est très important d'avoir une attitude responsable en matière de développement durable, mais beaucoup de gens ne sont pas tout à fait d'accord pour changer leurs habitudes, par commodité, par moyen aussi. Quelquefois par absence de volonté, de l'effort collectif. Et donc, on va avoir un vrai problème d'acceptation sociale du changement, de la transformation énorme que nécessite cette évolution vers une société plus respectueuse de notre environnement. Mais c'est quand même une situation majeure. La technologie, comme on le voit à NetExplo, va nous aider. Et ce que je voulais vous dire, qu'il y a effectivement un sujet intéressant, c'est notre grand prix de NetExplo cette année, qui est un grand prix à la fois britannique et indonésien, avec des chercheurs des deux pays, qui ont travaillé sur une application qu'on pourrait appeler le Shazam des océans. Shazam, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette application sur votre smartphone. Vous entendez un morceau de musique, vous dites, tiens, c'est quoi ce morceau de musique? Vous allez l'enregistrer sur l'application Shazam et instantanément, il va enregistrer une partie de ce morceau de musique et le comparer à la base de données énorme de Shazam et vous dire, voilà quel est le morceau, l'album. Et où vous pouvez écouter cette musique gratuitement, payante, etc. et tout. Shazam est une fantastique réussite internationale. Eh bien, le Shazam des océans, ce sont des chercheurs anglais et indonésiens qui ont développé cette application sur
la protection de la biodiversité et plus particulièrement des coraux marins. Comme vous le savez, les coraux marins vivent grâce à la bonne santé de l'océan, au fait que l'océan soit le moins en moins pollué, ce qui n'est pas gagné aujourd'hui, vous le savez bien, mais aussi parce qu'il y a toute une faune aquatique qui vit grâce à ces coraux. Et entendre le bruit de tous ces poissons, de tous ces animaux marins dans l'océan permet de savoir quel est le degré de santé de ces coraux et d'intervenir soit pour les sauver, soit pour les développer, soit même voir si ces opérations de restauration sont efficaces ou non. Donc ce Shazam des océans, développé par des chercheurs anglais et indonésiens, a reçu le Grand Prix Netexplo mondial cette année. Il traduit bien comment les technologies vont nous aider et pourquoi nous avons intérêt à utiliser les technologies pour le meilleur. Il y a toujours des problèmes. Ce n'est pas les technologies qui posent un problème, c'est l'utilisation qu'on fait. Mais cette utilisation peut être très positive dès lors qu'on s'intéresse, on essaye de comprendre, qu'on exerce son esprit critique et qu'on puisse utiliser le meilleur de la technologie. Voilà. C'est ce que je peux partager avec vous. Intelligence artificielle générative, tech et développement durable, ce sont les deux grandes tendances qu'on voit et elles vont avoir un impact important, à la fois dans les programmes, à la fois dans la manière d'enseigner, à la manière de, je dirais, partager et transmettre le savoir. Et pour nous, c'est très important et c'est pour ça qu'on est très heureux d'être partenaire d'EducaVox pour ce séminaire à Malaga. Je vous souhaite un excellent séminaire. Je vous prie de m'excuser encore de ne pas pouvoir être avec vous, mais je suis de tout cœur avec EducaVox. Je vous souhaite un bon week-end. Merci.